cheval Camargue, un cheval adapté à son territoire. La Camargue, elle est dure. Ce sont des chevaux qui, depuis la nuit des temps, vivent à l'état sauvage. Seul un cheval rustique ne peut survivre que dans un territoire camarguais. Il est né dans l'eau. Il joue, il se roule dans l'eau, il adore galoper dans l'eau. Donc les gens associent le cheval à la Camargue et la Camargue au cheval. Et ça, je pense que c'est ce qui fait que le cheval est unique. Dans les chevaux, on a un langage, et c'est un langage qui est codifié, c'est beaucoup de gestes. Beaucoup de gestes, beaucoup de regards. Il sait comment tu communiques avec lui, si c'est dans la douceur, si au contraire c'est dans la fermeté, c'est une communication qui se fait autour du respect. Voilà. Et ça fait, on va dire, une bonne trentaine d'années que je ne vis qu'autour de ça. Donc, je suis tombé là-dedans enfant et ça a été une passion forte, plus forte que tout. J'ai toujours voulu monter dessus. Voilà. Ah, le mot gardien, c'est un mot qui est fort. Le gardien, c'est un homme qui vit à cheval dans un immense territoire que l'on appelle la Camargue. C'est un homme comme son cheval, qui est un homme libre.